Bonjour à tous, c'est Vidoli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Alors c'est une vidéo un peu spéciale et en fait j'ai été inspirée par une vidéo qu'a fait la youtubeuse beauté Salanas. J'aimais beaucoup ce tag là et moi je trouvais que ça allait m'inspirer. Enfin, je pense que ce genre de tag inspire toute personne qui aime beaucoup le domaine de la beauté et qui consomme pas mal de produits de cosmétiques. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de ce tag. Donc c'est le tag si je devais sauver un produit cosmétique par marque. Et du coup, alors, vous allez vous dire que c'est forcément facile, mais quand vous êtes coquette et que vous achetez pas mal de produits de beauté, en fait moi personnellement je consomme pas mal de marques différentes en fait, mais il y a des marques où j'ai quand même pas mal de produits chouchous. Donc c'est vrai que c'était, enfin pour certaines marques en fait mon choix était très facile. Et pour d'autres marques, le choix a été beaucoup plus compliqué. Mais dans l'ensemble, je me rends compte en fait en ayant fait cette sélection que du coup, bah, je consomme dans pas mal de marques de cosmétiques différentes. Donc, je vais vous montrer mon chouchou dans chaque marque de cosmétiques. Alors, on va commencer par la marque de cosmétiques BK, qui fait pas mal de choses, notamment des highlighters, enfin voilà. Et du coup, moi vraiment, alors là, ça a été un peu compliqué parce que BK, ils font pas mal d'highlighters sympas, tout ça, enfin, des choses assez jolies. Mais là, récemment, j'ai acheté une palette dont je vous ai déjà parlé, un de mes favoris du mois de janvier. Et vraiment, qui est génialissime. Et je pense que dans toutes les collections de BK, je pense que c'est vraiment mon produit chouchou. Il s'agit de la palette beauté faite en collaboration avec Khloé Kardashian. Donc, c'est la collection BK BFF. Et alors il y a deux palettes, il y a la palette de Khloé Kardashian et celle de sa meilleure amie Malika. Je préfère celle de Khloé Kardashian en fait pour les teintes qu'il y a dedans. Mais celle de Malika est super aussi, hein, je l'ai aussi, donc voilà. Mais s'il faut faire un choix, donc choisir un seul produit, ça serait la palette de Khloé qui est vraiment superbe. Où il y a une palette, c'est une palette pour le teint qui ressemble un peu à la palette de Huda Beauty, la 3D Highlighters. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, je sais pas si vous allez voir, c'est que vraiment l'highlighter est magnifique et je préfère celui-là à celui de la palette de Malika qui est un peu plus foncé. Et les deux blushs, ils sont sublimes. Je porte celui-là dans la vidéo mais je ne sais absolument pas si elle se voit. Donc je porte ce blush là, je porte cet highlighter là dans cette vidéo. Donc vraiment ils sont super. Ce que j'aime un peu moins c'est le bronzer, mais le bronzer je consomme un peu moins donc ça ne me dérange pas. Mais vraiment les deux blushs et l'highlighter sont magnifiques. Et vraiment voilà, j'ai d'autres highlighters de BK. Mais vraiment énorme coup de cœur pour ce produit. Et vraiment en regardant tous mes produits que j'ai chez BK, c'est vraiment mon produit chouchou. Alors maintenant mon chouchou chez Tarte Cosmétique. Alors là par exemple ça a été compliqué parce que Tarte ils ont beaucoup de produits que j'aime beaucoup, même si c'est une marque de cosmétiques qui ne se vend pas encore en France mais qui va arriver chez Sephora, je ne sais pas exactement quand, ça devrait arriver d'ici le printemps je pense. Et ils ont plein de trucs sympas, ils ont le fond de teint à l'argile dont je vous avais déjà parlé, ils ont des blushs à l'argile qui sont super aussi, ils ont souvent, ils sortent régulièrement des palettes pour les yeux qui sont sublimes. Et du coup si vraiment je devais choisir mon produit chouchou chez Tarte, j'ai choisi cette palette pour les yeux. Alors c'est une palette de fard qui s'appelle Make Believe in Yourself et je vous avais fait une revue sur mon blog dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment moi j'avais hésité avec la palette Mermaid qui est aussi une magnifique palette, mais j'avoue que je préfère quand même plus les teintes de cette palette là. Alors comme vous voyez, mon chien m'avait bousillé un fard parce que j'avais mis cette palette sur le canapé pour le présenter dans une vidéo et mon chien a sauté sur le canapé et m'a bousillé ma palette. Donc j'ai un fard en moins. Mais vous voyez, les fards sont magnifiques. Ils sont tous quasiment pailletés. Ils sont hyper pigmentés. Il y a de tout au niveau des couleurs, mais il y a pas mal de rosés. Et moi, les rosés, c'est vraiment les teintes sur lesquelles je me penche plus, on va dire. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un peu une palette... féerique, enfin quand le nom, enfin voilà, le nom c'est Make Believe in Yourself, je trouve qu'elle porte bien son nom, elle est sublime. Donc j'hésitais avec la palette Mermaid, mais celle-ci finalement je la consomme plus et vraiment je l'aime beaucoup. Mes Tartes, ils font vraiment très souvent des palettes de fard qui sont vraiment sublimes. Alors je vais vous parler maintenant de mon chouchou, de la marque Colourpop. Alors Colourpop pareil, c'est une marque de cosmétiques qui n'est pas vendue en France. Vous pouvez acheter sur le site, parce que c'est une marque américaine, donc vous pouvez acheter sur le site. Par contre je préfère vous prévenir, il y a des frais de port et il y a des frais de douane. Alors les frais de douane je pense que vous n'en aurez pas si vous en achetez pour moins de 50 €, ce qui est finalement facile parce que Colourpop c'est une marque vraiment très abordable. Mais c'est vrai que si vous prenez pour plus de 50 €, je préfère être honnête, vous allez payer des frais de douane. Donc moi j'achète pas très souvent sur le site, mais ça m'est arrivé, notamment l'année dernière.
Et en fait, vraiment, j'ai acheté des rouges à lèvres liquides, des highlighters, des choses comme ça, et des fards à paupières, je crois, à l'unité, il me semble. Mais vraiment, mon chouchou chez Colourpop, c'est cette palette. Pareil, je vous avais fait une revue sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une palette de fards à paupières, vous verrez, elle est un peu crado parce que je l'ai pas mal utilisée. Je me souviens plus, je crois qu'elle coûtait dans les 15$. Alors, je ne sais pas si elle est toujours en vente sur le site de Colourpop, je vous conseille de regarder. Si elle y est, je vous la conseille vraiment. Alors, faut aimer par contre les teintes nude rosé parce que c'est vraiment les tons de la palette. Mais vous voyez, il y a pas mal de teintes pailletées, donc c'est totalement mon genre parce que moi je préfère les teintes pailletées ou teintes mates. Et vraiment, cette palette est sublime. Alors, les fards sont juste un peu poudreux, mais sinon c'est super. Et ils sont très pigmentés. Enfin, vraiment, ça c'est vraiment mon produit chouchou chez Colourpop. Alors, mon produit chouchou chez Fenty Beauty, donc si je devais en sauver qu'un, par exemple, c'est une marque où ça a été très compliqué de faire un choix, je vous cache pas, tout simplement parce qu'ils font pas mal de produits sympas, enfin depuis qu'ils ont sorti cette marque, c'est vrai qu'il y a pas mal d'highlighters sympas, ils ont sorti des rouges à lèvres liquides dont je vous avais parlé il y a pas longtemps, qui sont aussi très sympas aussi, donc franchement, Fenty Beauty, je vous cache pas que ça a été très dur de faire un choix. Mais mon choix, je pense, va pas vous étonner. Si je devais sauver un produit, ça serait l'highlighter, cet highlighter de chez Fenty Beauty. Alors, je sais pas s'il est toujours en vente sur le site des Sephora, je vous conseille de regarder. Parce que c'était l'highlighter qu'ils avaient sorti pour les fêtes de fin d'année de l'année dernière. Et le nom, c'est Diamond Bomb How Many Cara. Et du coup, vraiment, vous voyez, rien que le packaging est magnifique. Je vous en avais parlé dans mes favoris de 2018, je crois, enfin foncièrement, parce que j'adore. Je l'ai acheté en fin novembre, je crois, et en décembre, j'ai utilisé quasiment que ça. Je l'ai pas mal utilisé en janvier, vous voyez, j'ai déjà pas mal creusé. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que cet highlighter est très très pigmenté, mais il est aussi très pailleté. Donc par contre, faut aimer les looks un peu too much et ne pas avoir honte de briller. Donc moi, ça me dérange pas, vous savez que j'adore les highlighters. Mais vraiment, il est hyper pigmenté, mais très pailleté. Donc faut aimer ce genre de look. Mais par exemple, vous pouvez même le mettre sur le corps. Moi, pour les fêtes, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, ça va un effet hyper... hyper élégant et vraiment c'était hyper pigmenté, les paillettes sont restées toute la soirée, donc vraiment c'est vraiment un produit sublime au niveau des highlighters et vraiment ça serait mon produit chouchou chez Fenty Beauty. Alors si je devais choisir mon produit chouchou chez Anastasia Beverly Hills, alors là ça n'a pas été si compliqué qu'Anastasia Beverly Hills, je me suis rendu compte pendant cette vidéo que finalement en fait j'avais pas tant de produits de la marque et bah je sais pas, en fait j'ai pas mal de produits, j'ai pas mal de rouges à lèvres liquides. Mais en fait, les rouges à lèvres liquides, j'en porte de temps en temps, mais c'est pas du tout mes favoris. Mais elle avait sorti, Anastasia Beverly Hills, quelques palettes. Alors, pour les yeux, j'en ai une et une palette de teint. Et du coup, et vraiment, si je devais choisir un produit chouchou, je vous en avais parlé, mais il y a très longtemps, parce que c'est une palette qui, malheureusement, n'est plus disponible. Elle était en vente il y a peut-être 2-3 ans chez Sephora. C'était la palette d'highlighter Moonchild. Je vous avais fait un article de blog aussi. Donc je vous mettrai la revue en barre d'infos. Et pareil, cette palette d'highlighter, mais elle est tellement magnifique. Alors c'est des tons froids. Donc clairement, ces highlighters à plus porter en hiver. Mais moi j'aime beaucoup. Alors pareil, il faut aimer les looks un peu too much parce que c'est des highlighters légèrement teintés, comme vous le voyez. Il y en a des mauves, il y en a des verts. Enfin, donc il faut aimer ce genre de d'highlighter, il faut assumer un peu le look. Moi je trouvais que ça faisait très féerique, très licorne. Je trouve que c'est vraiment un produit de qualité et très original. Donc ça serait vraiment mon chouchou chez Anastasia Beverly Hills. Alors mon chouchou, si je devais sauver un produit dans la marque Marc Jacobs. Alors pour le coup ça a été extrêmement facile. J'ai consommé quelques produits de la marque, mais c'est une marque qui quand même coûte assez cher. Donc je vous cache pas que j'ai pas acheté 1 million de produits. Mais le favori dont je vais vous parler, je vous en ai parlé 10 000 fois, donc on va passer très vite. C'est le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Si vous êtes une femme et que vous regardez des vidéos beauté foncièrement, vous avez dû en entendre parler. Moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je pense qu'il y a pas mal de youtubeuses qui adorent ce mascara. Alors celui-là, il est usé, donc je vais le mettre à la poubelle. Mais c'est vraiment, pour moi, toute catégorie de mascara confondu, c'est mon mascara favori. Malheureusement, je peux pas me le racheter à chaque fois. Je me l'achète en général une fois par an. Parce qu'il coûte assez cher, je crois qu'il coûte dans les 30€. Mais honnêtement, il me fait des cils. J'ai l'impression de porter des faux cils tellement il me les allonge. Donc vraiment, il est magnifique ce mascara. Donc ça serait vraiment mon chouchou de chez Marc Jacobs. Alors mon chouchou chez L'Oréal Paris. Ben, je me suis rendu compte qu'en fait L'Oréal Paris, j'ai pas tant de produits chez eux. Et en fait, j'ai pas tant de marques de... Enfin, j'ai pas tant de produits de marques de... grande distribution, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, le pourquoi du comment, c'est notamment parce qu'en fait, on ne peut pas les tester en magasin. Et ça, franchement, c'est un truc qui me sèche un peu. Et notamment tout ce qui est fond de teint, des choses comme ça, que
que ça soit chez Bourjois ou chez Maybelline ou chez L'Oréal, souvent on parle de fond de teint sympa, mais comme on ne peut pas les swatcher, parce qu'en général c'est dans des packaging, enfin à Monoprix vous ne pouvez pas les essayer, c'est pas comme chez Sephora, et ben du coup moi c'est vrai que j'achète beaucoup moins dans ce genre de marque. Donc les marques de grande distribution, j'ai pas tant de produits et du coup c'est plus facile de faire un choix. L'Oréal, bien sûr, j'ai quand même quelques produits. Et si je devais choisir un chouchou, alors je suis désolée, il crade, je ne sais même pas comment j'ai fait pour le salut rosant. Je vous en avais parlé, je crois, dans mes favoris de 2018, c'est le mascara Paradise Ecstatic. Et franchement, alors il n'est pas comme le Velvet Point de Marc Jacobs, mais il est quasiment aussi bien, franchement. Il est beaucoup moins cher puisque c'est un produit chez L'Oréal. Mais il fait des cils vraiment très très beaux, il les étend vraiment. Voilà, alors honnêtement, je l'ai mis ex aequo avec le mascara Miss Hippie, pareil de chez L'Oréal. Alors j'ai pas le mascara Miss Hippie parce que je l'ai terminé, donc je préférais vous présenter celui-là. Mais honnêtement, le mascara Miss Hippie pour moi, il est ex aequo avec celui-là. Alors mon favori body de chez Tony Moly. Tony Moly, c'est une marque coréenne. Alors j'ai pas tant de produits de la marque, donc finalement ça a été un choix assez facile, mais je voulais quand même vous présenter cette marque, c'était dommage de ne pas en parler. C'est le mascara, alors je sais même pas le nom, c'est Panda's Dream, qui se présente comme ça. Alors il fait pas des cils de dingue, c'est plutôt pour avoir des cils bien noirs et assez naturels. Et ce qui est vachement bien, c'est que par contre il est waterproof mais de dingue, c'est à dire que même avec du démaquillant waterproof, vous n'avez pas à l'enlever, faut l'enlever avec de l'eau chaude en fait. Mais vraiment, il a une tenue assez dinguissime et il intensifie vos cils mais sans vous les allonger de dingue. C'est plus pour un effet très naturel, mais c'est vraiment un super produit chez Tony Moly. Alors si je devais choisir un chouchou dans la marque MAC Cosmetics. Alors au départ je pensais que le choix allait être compliqué et en fait pas tellement finalement. Parce qu'en fait MAC, c'est une marque que j'ai pas. Enfin j'ai acheté pas mal de produits de cette marque. Mais en fait c'est souvent la même chose, c'est souvent des rouges à lèvres et j'ai pas acheté tant de choses en dehors de ça. Donc en fait finalement mes produits favoris, je vous en ai pas mal parlé l'année dernière, c'est ces rouges à lèvres liquides. Alors il y en a à effet mat et il y en a à effet métallisé. Je vous en avais parlé dans des favoris je pense l'année dernière. C'est des produits, alors c'est quand même, comme c'est un rouge à lèvres, vous savez MAC c'est quand même assez cher, c'est des produits pour les... C'est une marque de maquillage professionnel. Les produits ne sont pas donnés, je crois que les rouges à lèvres coûtent 19 ou 20 euros. Mais par contre, ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment de qualité. Alors, les rouges à lèvres normaux qu'ils ont sont aussi de qualité, sauf qu'ils n'ont pas une aussi bonne tenue. Ceci, la propriété, c'est qu'ils ont une tenue de dingue et une pigmentation de folie. Donc, il y avait ce rouge qui, vous savez, un rouge orangé, comment dire, qui est un effet mat. Et il y avait ces deux-là que je vous avais foncièrement présenté, je pense, dans mes favoris de 2018, qui sont à effet métallisé. Et vraiment, la tenue est dingue, la pigmentation est ouf. Donc vraiment, c'est mes chouchous, enfin, c'est mon produit chouchou de chez MAC Cosmetics. Alors, si je devais choisir donc un produit de la marque Stila, à la marque Stila, c'est une marque américaine, vous ne pouvez pas la trouver chez Sephora parce qu'elle n'est pas vendue en France. Néanmoins, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que vous pouvez la trouver sur le site de Fil Unique. Et du coup, moi, mon chouchou, c'est ce produit, c'est des highlighters. Enfin, en fait, il s'agit d'un fard à paupières liquide à effet métallisé. Alors, ils ont sorti toute une gamme, mais je crois qu'ils ont sorti une nouvelle teinte. Moi, vraiment, mon produit chouchou, mais que j'ai utilisé plein de fois, et qui, pour le coup, je trouve que... Moi, je me maquille pas tout le temps les yeux, parce que je trouve que ça prend du temps, tout ça. Avec ça, en 2 minutes, mes yeux, ils sont faits. Donc, c'est vraiment pour ça, notamment, que j'adore ce produit. Et il est vraiment hyper pigmenté. Il a une très bonne tenue. C'est la teinte Rose Gold Rétro. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est une teinte Rose Gold. Et vraiment, vous voyez, c'est avec un embout mousse. Vous en mettez simplement sur la paupière. Ça s'étale hyper facilement. Pas besoin d'en parler 10 000 ans. Et vraiment, c'est un super produit. Et je pense qu'il doit plaire parce que du coup, ils viennent de sortir de nouvelles teintes. Alors si je devais choisir mon produit chouchou de chez Glossier. Glossier c'est une marque américaine. Alors ils l'ont pas sorti en France, mais maintenant ils livrent en France, donc déjà ils s'améliorent. Alors je vous cache pas que Glossier, j'ai découvert cette marque récemment, puisque du coup ils livrent en France depuis pas si longtemps. J'ai acheté plusieurs produits. Bah honnêtement j'ai du mal à accrocher à cette marque, donc finalement le choix de mon produit chouchou a été assez simple. Je comprends pas en fait pourquoi il y a autant de youtubeuses qui parlent de cette marque là. Parce que les produits sont tellement à effet naturel que je trouve qu'ils sont pas du tout visibles, qu'on les voit pas. Donc bon, on verra par la suite si j'accroche à d'autres produits, mais je vous cache pas que je suis assez déçue par les produits que j'ai commandés pour l'instant. Mais vraiment, je vous avais parlé d'un chouchou dans mes favoris de 2018, donc si je devais choisir un chouchou dans cette marque, ça va être celui-ci. C'est le blush, enfin leur blush qui s'appelle les Cloud Paint,
qui sont des blushs liquides. Donc par contre, quand vous les étalez, il faut aller assez vite avant qu'ils sèchent. Mais il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Alors ça ressemble à un flacon de peinture, mais il faut en mettre un chouïa sur votre joue et l'étaler très vite au doigt. Mais ce qui est dingue, c'est que vous avez besoin d'en mettre très très peu et que ça a une pigmentation. Je suis vraiment très très étonnée parce que c'est très pigmenté. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'y aller très mono quand vous l'appliquez. Et la tenue est dingue. Là, vous êtes sûr que votre blush ne bouge pas de la journée. Moi, le soir, le blush était là comme le matin où je l'avais appliqué. Et vraiment, c'est un très bon produit, très pigmenté. Donc par contre, c'est des blushs à effet mat. Donc c'est vrai que moi je préfère quand même à effet pailleté. Mais vraiment, si vous voulez chercher des blushs à effet mat qui ont une super tenue, vraiment la marque Glossier, c'est mon produit chouchou. Alors, mon chouchou de chez NYX, pareil, je pense que si vous me suivez depuis un moment sur le blog, vous n'allez pas être étonné. C'est l'eyeliner Epic Ink Liner. Je vous en parle depuis quoi, 6 mois, 8 mois. Enfin, j'en ai consommé peut-être 3 ou 4. C'est un eyeliner qui est génial. Comment vous dire? Il est hyper pigmenté, c'est un eyeliner feutre qui s'applique hyper facilement. Et ouais, il est très pigmenté, il baffe pas, il a une super tenue. Franchement, voilà, et j'ai envie de vous dire, moi c'est, j'aime bien les eyeliners et j'ai du mal à trouver des eyeliners de qualité. Et celui-là, pour le prix qu'il coûte, je crois qu'il coûte dans les 7 ou 8 euros, vraiment c'est mon chouchou de chez NYX. Alors NYX, je vous cache pas que j'ai du mal à accrocher à pas mal de produits. Donc finalement ça a été assez simple de choisir mon produit chouchou. Mais celui-là vraiment, vous avez mon feu vert sans hésiter, il est génial. Mon produit chouchou de la marque Kiko. Alors là je vous en montre plusieurs parce qu'il y a plusieurs teintes. Et encore je les ai même pas toutes. Mais bien sûr il s'agit d'un seul produit. Il s'agit, alors je vous en ai parlé 10 000 fois donc on va pas passer un million de temps dessus. Des rouges à lèvres à double embout, des rouges à lèvres liquides à double embout. Donc là en bas vous avez le rouge à lèvres liquide à effet mat. Donc vous le laissez sécher 5-10 minutes, voilà. Donc la tenue est vraiment dingue. C'est là où je vous cache pas que je suis étonnée parce que Kiko c'est une marque que j'ai découverte l'année dernière. Et non pas que je connaissais pas, mais j'avais tellement de produits de beauté que je ressentais pas le besoin de consommer chez eux. Et c'est quand on m'a offert ce rouge à lèvres là dans une teinte que je me suis dit mais il me les faut, enfin il m'en faut pour d'autres teintes. Parce que j'étais extrêmement étonnée parce que la tenue, enfin ils ont plein de choix de couleurs. La pigmentation est vraiment sublime et la tenue, mais j'en reviens pas quoi. Et on m'a fait plusieurs fois la réflexion comme quoi mon rouge à lèvres ne bougeait pas. Et vraiment c'est un super rouge à lèvres. Et en fait pourquoi il y a un double embout? Vous avez l'effet mat en bas, donc vous pouvez le laisser sécher, vous avez un effet mat. Et si vous avez envie d'avoir un effet glossy, vous laissez sécher votre rouge à lèvres 10 à 15 minutes et vous rajoutez le gloss par dessus. Donc vous avez le choix. Alors comme vous voyez, je vous en avais parlé dans ma vidéo favorite 2018, j'ai je sais pas combien de couleurs. Alors je crois que le rouge à lèvres coûte dans les 8 euros, ce qui est quand même pas si cher pour un rouge à lèvres. Donc Kiko c'est une marque très abordable pour ceux qui connaissent pas. Donc vraiment si vous avez besoin de rouge à lèvres liquide de qualité, alors par contre c'est des rouges à lèvres liquides à effet mat et pas effet pailleté, moi c'est que j'aime bien les effets les rouges à lèvres liquides à effet pailleté, mais si vous cherchez de superbes rouges à lèvres liquides à effet mat et qui ont une super tenue, moi c'est vraiment vers Kiko que je vous redirigerai et c'est vraiment mon produit chouchou de cette marque. Mon produit chouchou de chez Huda Beauty. Alors là par contre ça a été compliqué parce que si vous me suivez un moment sur le blog, vous avez pu voir que Huda Beauty c'est une marque depuis que je l'ai découverte, depuis qu'elle est sortie. Honnêtement je suis assez étonnée parce que alors c'est une youtubeuse, pour ceux qui ne connaissent pas, une youtubeuse de Dubaï qui a sorti sa propre marque de cosmétiques et qui sort des produits mais enfin, à une fréquence, enfin voilà c'est quand même très fréquent qu'elle sort de nouveaux produits. Et honnêtement ce qui est dingue c'est que j'ai l'impression qu'elle ne se trompe jamais. Alors je n'ai pas tous les produits de sa marque hein, notamment j'ai pas son fond de teint, mais beaucoup de gens en ont parlé, des choses comme ça. Mais j'ai pas mal de produits de sa marque et honnêtement j'ai l'impression que c'est une créatrice qui ne se trompe jamais quand elle sort ses produits. C'est assez dingue. Donc là par contre mon choix pour sauver un produit ça a été très difficile. J'ai failli sélectionner la palette 3D Highlighters dont je vous ai parlé depuis plus d'un an. Parce que ça fait 2 ans que j'utilise cette palette mais je vous en ai parlé maintes et maintes fois dans mes favoris de l'année dernière, dans mes favoris de 2018, tout ça. Mais comme en fait la palette 3D Highlighters elle ressemble, enfin c'est plutôt celle-ci qui ressemble. Mais disons qu'elle se rapproche de la palette de chez Becca faite par Khloé Kardashian. Je me suis dit que j'allais vous présenter un autre produit favori. Que vraiment là j'arrête pas d'utiliser et qui est sublime. Donc vraiment le produit que je sauverais, à part la palette 3D Highlighters parce que j'ai celle de maintenant Khloé Kardashian chez Becca, ça serait les nouveaux fards à paupières liquides à double embout qu'elle a sorti en décembre dernier.
Alors moi je les ai pas tous hein, parce que c'est quand même 20 euros le fard à paupières à double embout. Alors on est d'accord que toutes les marques en général, si vous achetez le fard à paupières à l'unité, c'est malheureusement assez cher, c'est dans les 20 euros. Bon là pour 20 euros vous en avez deux, mais c'est vrai que ça reste quand même pas donné, donc c'est pour ça que moi j'en ai que deux parce que ça me suffit largement, c'est les teintes que je préfère. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de janvier et je ne sais pas si ça se verra dans cette vidéo parce que j'ai ma frange qui a poussé, donc il faut absolument que j'aille chez coiffeur, mais en fait il s'agit des fards à paupières que j'utilise, enfin que j'ai sur mes paupières dans cette vidéo. Donc là c'est ce que je porte dans cette vidéo et en fait dans chaque fard à paupières vous avez un côté mat et un côté pailleté, donc c'est pas exactement les mêmes couleurs hein, clairement, mais vraiment les deux couleurs sont sublimes. Donc moi j'ai, alors je saurais pas vous dire, je vous mettrai en barre d'infos, j'ai celui-là où il y a la teinte pink champagne et bubble bath, et le problème c'est que celui-là, le fard mat bubble bath, en fait les fards mat pour le coup ceux-là je les aime beaucoup parce que ils sont extrêmement faciles d'application, mais comme les fards pailletés, mais du coup c'est un peu comme les fards Stila, c'est-à-dire que les fards liquides Stila c'est exactement comme ceux-là, en 2 minutes vous avez votre œil maquillé, donc c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de produit, mais par contre celui-là, le bubble bath, en fait il me plaît pas tout simplement parce qu'il a exactement la couleur de ma paupière, donc c'est comme si je mettais une base, mais clairement ça sert à rien que je le mette parce qu'il a exactement la couleur de ma paupière. Mais les autres ils sont sublimes, et ceux-là que je me trompe pas c'est Hot Sauce et Cherry Soda, et vraiment les deux, alors moi dans cette vidéo je porte les deux pailletés, donc c'est en gros c'est ces deux là, mais vraiment moi je trouve ça sympa d'avoir fait en fait des fards à paupières liquides à double embout, parce que liquide c'est pas nouveau, il y a ceux de chez Stila et je pense que maintenant toutes les marques sont en train de faire un peu la même chose, ils copient, mais les trucs à double embout je trouve que ça change parce que vous avez un côté mat, un côté liquide et un côté pailleté, et bon j'ai une préférence bien sûr pour le côté pailleté, mais même les côtés mat sont vraiment super, donc vraiment ça serait le produit que je sauverais chez Huda Beauty. Alors quel produit je sauverais chez Benefit? Alors là ça a été un peu compliqué parce que Benefit j'aime beaucoup aussi leur blush, mais finalement si je réfléchis et quel produit j'utilise toute l'année chez Benefit et que je réutilise et que je vous représente à chaque fois, c'est le crayon pour les sourcils Goof Proof, qui est extrêmement facile à utiliser. Vous avez un embout où là vous pouvez brosser vos sourcils, et vous avez un autre embout où là vous avez le crayon, et franchement alors je pense qu'il est un peu équivalent à celui de chez Anastasia Beverly Hills, il me semble qu'il est un peu moins cher, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le Goof Proof, donc vraiment le chouchou, mon chouchou chez Benefit ça serait ce crayon à sourcils. Alors si je devais choisir un chouchou dans la marque Kat Von D, alors pareil ça a été un peu compliqué ce Kat Von D, alors j'ai plusieurs rouges à lèvres liquides et effet mat, et j'ai aussi son fond de teint liquide, j'ai sa poudre HD, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce qu'il faut avouer quand même qu'elle fait des super produits, mais disons que au niveau, pas de la qualité, mais au niveau de la qualité et de l'usure, si je devais choisir un produit dans sa marque ça serait ces rouges à lèvres liquides qui s'appellent les Everlasting, parce que c'est des rouges à lèvres liquides à effet mat. Donc bien sûr c'est à effet mat, je trouve ça dommage juste qu'elle n'en est pas sortie à effet pailleté. Alors je sais que tout le monde n'aime pas les effets pailletés, mais moi c'est mon cas, et voilà. Mais par contre à effet mat, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres Everlasting. Alors j'ai une préférence pour ces deux teintes. Alors la première, je serais incapable de vous dire, celle-ci c'est Bachelorette. C'est un rouge framboise en fait qui est magnifique, alors je l'ai porté plusieurs fois, mais vous voyez Huda Beauty, ce que j'aime beaucoup dans ces produits c'est que même le design du packaging est juste sublime, vous voyez ça fait très gothique, enfin je trouve que ça ressemble totalement au personnage de la créatrice, enfin voilà, c'est vraiment sublime. Et l'autre c'est la couleur Lolita qui a un nude plus foncé que j'aime beaucoup aussi, donc si je devais choisir un produit chez Kat Von D, ça serait ces rouges à lèvres. Alors si je devais choisir un produit chez Bourjois, alors là par contre le choix a été facile, entre guillemets c'est le même problème que pour L'Oréal, comme je vous disais bah, j'ai du mal à les tester en rayon, donc il y a un Bourjois je sais pas tant que ça, alors je sais qu'ils ont des boutiques mais ils en ont pas près de chez moi, donc du coup ça règle le problème, mais l'année dernière j'ai découvert, je crois que c'est l'année dernière il me semble, mais j'ai un doute, mais vraiment si je devais choisir un produit, parce que j'ai quand même plusieurs produits de leur marque, ça serait ces rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé, donc c'est les rouges velvet mais en version rouge à lèvres, parce que vous avez des, je crois qu'ils existent en version liquide à effet mat, mais moi j'aime particulièrement celui-là, le rouge velvet mais en version rouge à lèvres de chez Bourjois, parce que alors moi j'avais deux teintes, alors je ne sais pas la teinte, alors, il y a la teinte 08 et la teinte 07, alors 07 c'est un rouge beaucoup plus orangé, et 08 bah, c'est un rouge un peu plus froid mais qui est sublime, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont une tenue
Mais je suis assez incroyable, enfin je suis assez étonnée. C'est presque comme les Kiko, sauf que par contre je trouve qu'ils sont beaucoup plus desséchants, parce que c'est des vrais rouges à lèvres et qui sont très mats. Donc par contre ils ont un effet beaucoup plus desséchant que les Kiko, mais ils ont une pigmentation, c'est assez incroyable. La tenue est pareil assez folle, et ce que j'aime beaucoup moi c'est le raisin. Vous voyez, le raisin est en triangle, donc je trouve ça beaucoup plus facile en fait de l'appliquer, enfin au niveau de l'application. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc si je devais choisir un favori chez Bourjois, ça serait celui-ci. Alors je me rends compte qu'en fait les derniers produits que je vais présenter c'est beaucoup des rouges à lèvres, mais c'est pas fait exprès. Si je devais choisir un chouchou dans la marque Chanel, alors Chanel, j'ai quelques produits de la marque, mais bon, et bien sûr comme c'est une marque de luxe, j'ai pas non plus 10 000 produits à vous présenter. J'en ai quelques-uns, voilà, j'avais acheté un superbe highlighter en version version collector qui était une version pour Noël. J'ai failli la mettre dans cette vidéo, mais finalement si je... Enfin entre guillemets, si je réfléchis à celui que j'utilise le plus au niveau des produits et que j'avais vraiment le plus adoré, c'était ces rouges à lèvres liquides. Alors c'est des rouges à lèvres, et par contre je ne sais pas comment ils s'appellent, je crois, ah voilà, il s'agit des rouges coco stylo. Je vous en avais parlé et je crois même que j'en avais fini un que j'avais racheté, ou alors je ne l'ai pas racheté, je me souviens plus. J'ai ce rouge à lèvres là, alors c'est la teinte 206 qui s'appelle Histoire. C'est un rouge un peu froid finalement, entre orangé et froid. Et en fait ce qui est génial, c'est qu'en fait vous risquez pas de bousiller votre rouge à lèvres, parce qu'en voyant en fait vous avez une mine rétractable là, c'est comme un crayon à sourcil en fait. Et alors par contre la tenue est bonne, mais elle est pas excellente, puisque c'est en fait un rouge à lèvres alors qui est très pigmenté je trouve, mais qui a un effet glossy. Donc moi j'aime beaucoup notamment le porter en été, parce que du coup ça a un effet à la fois pigmenté et très glossy, donc je trouve que pour l'été ça relève le teint, enfin je trouve ça magnifique. Donc j'ai ce rouge, donc j'ai cette teinte là, la teinte Histoire, qui est un magnifique rouge que je vous conseille si vous aimez juste les rouges. Et j'ai cette teinte là, la teinte Message, qui est un bois de rose juste sublime, et c'est celui là que j'ai quasiment terminé en fait, je sais pas si ça se voit. Et vraiment si je devais choisir un produit chez Chanel, vraiment à sélectionner, ça serait ce produit, le rouge coco stylo. Alors si je devais choisir un produit chez Shiseido, alors là ça a été plus facile, parce que Shiseido, comme en fait ils en vendent plus en France, enfin en tout cas ils en vendaient plus, mais je crois que maintenant ils en revendent, finalement j'ai très peu de marques, enfin j'ai très peu de produits de leur marque. J'avais un super fond de teint pendant un temps, mais finalement si je devais choisir un produit, c'est le rouge à lèvres que je porte dans cette vidéo en fait, et que j'avais porté pendant des maintes fois. Et d'ailleurs je me souviens que ce rouge à lèvres je l'avais même racheté, donc vraiment c'est un magnifique rouge à lèvres, mais je ne sais pas s'il est encore en stock, entre guillemets, s'ils l'ont gardé dans leur collection. Alors, par contre je ne connais pas le nom du rouge à lèvres, je suis désolée. Alors j'ai juste la teinte, qui est la teinte RS 310, et vous le verrez sur mes lèvres, enfin j'espère qu'en tout cas ça se voit dans cette vidéo. Mais du coup il s'agit d'un rose vraiment sublime, alors un rose pas bois de rose, un peu plus flashy, mais sans que ça soit trop flashy non plus. Et en fait c'est magnifique, et il a un effet, ce que j'aime bien c'est qu'il a pas un effet totalement mat, il a un effet légèrement glossy, et il a une très bonne tenue sans... mais bien sûr au déjeuner, après le déjeuner faut en remettre hein. Mais il est vraiment super comme produit, j'aime beaucoup l'effet sur les lèvres en fait, et voilà, c'est pour ça que je les ai sélectionnés. Donc s'il y avait un produit à choisir chez Shiseido, ça serait celui-là. Alors si je devais choisir un produit dans la marque Lime Crème, alors Lime Crème c'est une marque de cosmétiques américaine qui n'est pas vendue en France, mais par contre ils livrent en France et des frais de port, mais sans frais de douane, donc c'est ça qui est super. Alors j'avais plusieurs produits de leur marque, mais finalement mes produits chouchous que j'ai adoré et que j'ai même racheté, il s'agit de leur rouge à lèvres liquide à effet métallisé. J'en ai aussi à effet mat, mais qui dessèche plus les lèvres. Je préfère vraiment ceux à effet métallisé, parce que ceux à effet métallisé sont en plus beaucoup plus, enfin je les trouve beaucoup plus pigmentés et juste sublimes. Moi j'ai la couleur Vibe, qui est un rose rose gold légèrement soutenu, qui est sublime, qui est celui-là. Et j'ai la teinte Red Hot, si je ne me trompe pas, qui est celle-ci, qui est un magnifique rouge métallisé, mais un vrai rouge, hein, pas un rouge trop foncé. Et vraiment, vraiment, si je devais choisir un produit chez Lime Crème, c'est vraiment ces rouges à lèvres liquides à effet métallisé qui sont superbes. Si je devais choisir un produit chez Dior, j'ai failli oublier de vous mentionner la marque Dior. Donc si je devais choisir un chouchou dans la marque Dior, ça a été un peu compliqué, parce que j'aime beaucoup leur rouge à lèvres liquide à effet mat. Donc j'ai vraiment hésité, et finalement si je devais choisir qu'un produit, eh ben, je choisis le fond de teint, qui est le fond de teint liquide Forever Undercover, du coup de chez Dior. Moi je l'ai en teinte light beige, je vous en avais parlé dans mes favoris de 2018, je l'utilise beaucoup, c'est celui que je porte dans cette vidéo d'ailleurs. Ce qui est génial, alors honnêtement il est aussi cher que les fonds de teint d'autres marques comme Huda Beauty ou NARS, et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un fond de teint
à la fois, alors il est très liquide, donc vous n'avez pas besoin de mettre des tonnes entre guillemets pour vous en mettre sur le visage, parce que du coup ça s'étale extrêmement bien, il est très facile d'application, il est à la fois couvrant, mais il est d'un naturel, c'est assez incroyable. Moi j'ai l'impression de ne pas porter de fond de teint, non seulement entre guillemets vous n'avez pas cet effet plâtre sur le visage, mais en plus il est tellement léger qu'il ne se sent pas, et honnêtement moi il couvre assez mes... enfin je pense que si vous avez beaucoup de boutons d'acné ou d'imperfections, il n'est pas pour vous, parce que pour moi, et pourtant moi j'ai des cicatrices d'acné, il est assez couvrant, mais en rajoutant du correcteur dessus. Mais après si vous avez énormément de cicatrices ou d'imperfections, je ne vous le conseillerais pas. Mais si vous avez vraiment des imperfections mais sans plus, et que vous voulez vraiment un teint naturel, mais à la fois un teint unifié et super joli, vraiment c'est le fond de teint que je vous conseille. C'est mon chouchou du moment, et honnêtement pour moi il égale voire surpasse le Bondi Sweat de chez Too Faced. Donc c'est vraiment mon fond de teint entre guillemets préféré, en plus avec le Too Faced, et clairement mon produit favori de chez Dior. Donc c'est une énorme réussite de la part de Dior, donc voilà. Alors avant dernière marque, la marque NARS. Alors si vous me connaissez, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle attend pour présenter son favori chez NARS. Alors là par contre pareil, le choix était un peu compliqué, parce que NARS, j'avais utilisé leur fond de teint qui est génial. Enfin, NARS c'est vraiment une marque de cosmétiques qui est alors certes un peu chère, quoique en fait elle est finalement aussi chère que Huda Beauty, mais finalement leurs produits sont vraiment de qualité. J'ai rarement, pour être honnête, j'ai rarement été déçue de la marque NARS. Donc ça a été extrêmement dur de faire un choix, parce qu'ils ont plein de rouges à lèvres super, ils ont leur fond de teint qui est génial. Enfin voilà, j'ai des palettes de chez eux, des palettes d'highlighter qui sont sublimes, des palettes de blush. Mais disons que si je devais faire un choix, ça serait leur rouge à lèvres liquide à effet métallisé, qui sont superbes. Alors moi j'ai la teinte American Woman et la deuxième, il s'agit de la marque Walk This Way. En gros il s'agit de deux roses nude, mais en fait... il y en a un plus foncé que l'autre en fait, hein. Donc moi j'ai choisi le même genre de teinte. Alors de mémoire ils ont pas mal de teintes disponibles, et vraiment c'est des rouges à lèvres. Alors la tenue est vraiment super, c'est pour ça que je les adore, elle est presque équivalente au Kiko, et la pigmentation est dingue. Donc en fait pour moi ils sont quasiment équivalents au Kiko, c'est juste que les Kiko sont moins chers. Donc c'est pour ça que je vous conseille les Kiko, mais ceux chez NARS sont superbes aussi, enfin si vraiment vous avez le budget. Alors non, je vous dis avant dernière, mais j'ai deux autres marques, parce que j'allais oublier la marque Clinique. Donc si je devais choisir un favori de chez Clinique, alors il s'agit de leur gamme de rouge à lèvres qui s'appelle les Clinique Pop Matte. Hein. Il me semble que je vous avais fait une revue sur ces rouges à lèvres, donc si c'est le cas, je vous mettrai l'URL en barre d'infos. Franchement, ces rouges à lèvres sont juste sublimes. Alors ils les ont en version rouge, enfin qui s'appelle Clinique Pop, je crois juste tout simple, qui sont des rouges à lèvres exactement comme ça, mais à effet glossy, donc pas mat. Mais disons que j'ai une préférence pour leur rouge à lèvres liquide à effet mat, parce que c'est un effet mat, mais qui, pour le coup leur rouge à lèvres liquide à effet mat, enfin il s'agit de rouge à lèvres, alors des vrais rouges à lèvres pour le coup. Donc celle-ci c'est la teinte Ruby Pop, qui est un rouge orangé on va dire. Mais ce qui est génial c'est que c'est des mats, alors qui pour moi je trouve ne dessèchent vraiment pas les lèvres, et ont un effet mat très chic que j'adore, donc ils sont vraiment sublimes. Et j'ai la teinte aussi Pow Pop, qui est une sorte de prune, qui est magnifique aussi à porter en automne. Et vraiment moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres chez Clinique. Alors j'ai d'autres, j'ai des blushs de chez eux, enfin j'ai plusieurs autres genres de produits de chez Clinique, mais si je devais sauver un produit chez Clinique, ça serait ces rouges à lèvres. Et enfin dernière marque dont je parle, il s'agit de la marque Urban Decay. Donc en fait finalement je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que finalement Urban Decay j'ai pas tant de produits chouchous que ça, parce que j'ai peu de produits chez eux. Mais finalement si je me suis rendu compte que c'était essentiellement des rouges à lèvres. Donc ils ont vraiment des rouges à lèvres, des vrais rouges à lèvres qui sont super. Mais c'est vrai que si je devais sauver un produit, ça serait ces rouges à lèvres. Il me semble que je vous avais fait aussi une revue sur ces rouges à lèvres. Donc si c'est le cas, je vous mettrai l'URL en barre d'infos. C'est des rouges à lèvres liquides à effet métallisé. Alors je sais pas leur nom. C'est les Ice Liquid Lipstick apparemment. Donc moi j'ai la teinte Trap Queen, qui est un rouge un peu froid, beaucoup plus froid, mais légèrement bordeaux, enfin pas bordeaux mais quand même plus foncé que l'OLM Crème par exemple, qui est à effet métallisé. Et celui-là il s'agit de la teinte Purgatory, qui est vraiment une sorte de prune métallisée mais sublime pour l'automne. Et vraiment moi ce que j'adore c'est qu'ils ont ils sont un peu comme les Kiko mais version métallisée, c'est-à-dire qu'ils sont très très pigmentés, et ils ont une tenue mais c'est assez dingue. Je me souviens que je l'ai porté pour la première fois quand je l'ai acheté à Lyon,
Et l'ami avec qui j'étais était vraiment assez impressionnée, je l'étais aussi, parce que vraiment le rouge à lèvres après avoir mangé tout ça n'avait absolument pas bougé. Donc la tenue est dingue. Donc vraiment, moi c'est ce genre de produit que je recherche. Donc voilà, chez Urban Decay, si je devais sauver qu'un produit, ça serait ces rouges à lèvres. Et bien écoutez, cette vidéo tag est maintenant terminée. Franchement, j'ai beaucoup aimé la faire. Alors ça a été un peu de préparation, mais en fait ça m'a permis de découvrir un peu mes favoris dans chaque marque, parce que finalement si vous me demandiez comme ça, c'était un peu compliqué. Et du coup je me rends compte que j'utilise pas mal de marques, donc c'est en faisant ce genre de vidéo qu'on se rend compte vraiment du concret. Et en fait je trouvais que c'était assez original comme tag, et en tout cas ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à me dire en commentaire pareil, vous, est-ce que vous utilisez beaucoup de marques de cosmétiques? Si oui, quels sont vos chouchous? Enfin, si vous deviez choisir un chouchou dans chaque marque, bah, lesquels ça serait, enfin voilà. Et n'hésitez pas à me dire aussi peut-être votre avis sur ceux que j'utilise moi, est-ce que vous avez un avis ou pas, hein. C'est, enfin, on a le droit d'avoir des avis différents, donc il n'y a pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à suivre mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.